Salut les élèves. Alors aujourd'hui, on va faire les expériences sur les forces et interactions. Tu dis bonjour, mini-prof? Alors, la première question que vous aviez normalement, c'était de tenir les mains dans la main et de l'approcher de la plaque de fer. Bon, vous connaissez l'expérience. Normalement, ça donne ça. Donc, on constate que la plaque de fer est attirée par l'aimant. Alors maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire on passe à la question C, on tient la plaque de fer dans la main, vas-y mini prof, et ça fonctionne aussi. Alors, ça nous permet de conclure que la plaque de fer est attirée par l'aimant, mais l'aimant est aussi attiré par la plaque de fer. Et comme il y a une action de l'un sur l'autre, on va appeler ça une interaction. Alors on en parlera par la suite, on en reparlera dans la suite du cours. Maintenant, on va passer au grand 2, c'est-à-dire un aimant qui agit sur un autre aimant. C'est la prochaine vidéo, tant que mini-prof se prépare. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est eux. Il y a eux? Ah oui, ils vont le voir, eux. Est-ce qu'on peut les regarder? Oui, après, après.